Bonjour à toutes et à tous, c'est Voltan 63. Et voilà, un fail. Je me suis dit, allez, on prend un nouveau chemin. Et non, c'est Voltan 63 encore une fois. On se retrouve pour un petit talk and ride. Je suis vraiment motivé. Et on va retrouver un autre chemin. A tout de suite. Allez, on prend ça, on sait pas où ça va. Super content de vous revoir. Super motivé aussi. On est sur le 2,5. Encore une fois, ça se conduit sur le couple, une moto comme ça. On n'est pas en spécial de toute façon. Il n'y a pas besoin d'y faire tirer, ça va bien assez vite comme ça. Alors je sais pas du tout où on va, ça va faire peut-être 3 quarts du roulant, mais on y va. Ah si, j'étais déjà descendu par là, je crois. Si, si, ça c'est bon. Quand il y a des... Il y a des endroits un peu chiants où il y a des trous, tout ça, des... Aïe, je me prends des bêtes dans les yeux. Malheureux. Un tracteur. Alors comme vous voyez là, je pète la forme, je pète tout, je suis euphorique. Oh oh. Dites-moi si je vous refais des vidéos quand je suis un peu dans un état comme ça. Je sais pas si c'est sympa ou si c'est chiant, ben écoutez. Hey. Nouvelle tenue encore une fois. Elle est là. Bon, bah, écoute. Ah, ça fait plaisir. Des gens qui sourient, putain. Il y en a. Il y en a encore. Ils sont pas morts. On les a pas tués. Génocide. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a eu un génocide. Ils sont tous morts, les gens qui sont heureux. Ah, mais c'est vrai que quand on est un enduriste, il y a beaucoup quand même de gens. Alors, on va dire. Moi, je trouve que c'est à peu près équivalent. Ça dépend des jours, s'il fait beau ou s'il fait pas beau. T'en as, alors ils te regardent, t'as l'impression qu'ils veulent te taper ou te tuer, manger ta famille, je sais pas. Et t'en as d'autres, alors là, ils te regardent mais ils s'en battent les couilles et des fois ils te captent même pas. Ils marchent. Enfin, ça arrive hein, de rêver, mais quand même. Oh. Quand même. Et t'en as d'autres. Franchement, je fais signe à chaque fois. Donc, je peux pas dire c'est parce que j'ai fait signe ou j'ai pas fait signe ou je sais pas quoi. Il te sourit, mais ça fait tellement plaisir de voir qu'on fait sourire les gens, quoi. Un peu de politesse ou ça, ça fait pas de mal pourtant, quand même. Ça fout toujours que je me prenne un truc dans le. Dans l'œil. Putain, j'ai trop mal. Ah! Oh là là. Oh là là. Je crois que c'était déjà arrivé en vidéo. J'ai aussi mangé deux mouches, si vous voulez aller voir sur la chaîne bonus. Ou une mouche. Ouais, une mouche. Et j'ai fait deux fails après. C'est pas la même vidéo. Donc, si vous voulez aller voir, j'ai avalé une mouche. Fait... On m'entendait tousser. Ah! Je vous avoue que c'est assez dégoûtant. Ça fait une sensation assez bizarre. Bon, il n'y a pas trop de goût, mais on sent quand même qu'il y a un truc dans ta bouche et qui te descend dans la trachée, quoi. Donc, bon, moyen. Si vous virez ma tête, vous rigoleriez, mais bon. Je crois que c'est pas possible. Oh, oh. Quand on est un peu court sur pattes, c'est ce qui arrive. On va faire juste un petit tour là. J'y suis déjà allé, il me semble. Enfin, avec vous. Je sais que j'y suis allé, mais si avec vous. Il y aurait moyen de faire une petite spéciale sympa là. Allez. C'est ça qui est agréable, on n'est pas obligé toujours de cravacher. Avec le couple, on met une petite louche et bon. Ça t'y envoie, t'y vu, hein. Il y a bientôt des dual vlogs qui vont arriver, mais je pense qu'après vous voudrez plus que je fasse de vlog tout seul. Ça m'embête un peu. Un petit peu quoi.
Et là on se dirige vers un terrain cross. Alors les gens du coin, si vous le connaissez, n'y allez pas, c'est privé. J'ai un copain qui a le 400 KTM qui connaît le gérant. Donc dites-moi si vous voudrez que j'aille faire une vidéo dessus, il est un peu défoncé. Vraiment pas mal défoncé à vrai dire. Mais ça peut être sympa. On va voir s'il y a des gens, mais je pense pas. En semaine comme ça. De toute façon c'est marqué, défense d'entrée. Donc là il y a des codes, tout ça. Ça me donne envie d'y aller. On va monter un peu plus. Hop. Voilà, voilà, vous voyez que il y a des grosses ravines quand même. Mais bon, c'est pas mal non plus, hein, donc on va pas se plaindre. Monsieur, est-ce qu'il va sourire? Ah, il fait signe. Ah, ça va. Là, c'est un semi-content, semi qui voit rien, tu vois. Je sais pas trop. Il est mitigé, lui. La moto, bon, allez, on va dire bonjour. Allez, bon, il m'a dit bonjour. On va pas faire le gars casse-couille. Et ça marche aujourd'hui. Malheureux. Moi, j'aurais trop peur de faire un tonneau avec cet engin. Alors, me dites pas que je roule sur son champ, c'est lui qui a mis son champ sur le chemin. Et puis vous voyez bien qu'il y a des traces de pneus, donc WTF. Oui, je respecte les paysans, mais là il a fait un truc, il a fait son champ sur le chemin, j'ai pas tout compris. Puis il y a des traces de pneus, sinon j'y serais pas passé. Hein. Ne vous inquiétez pas. Y'a pas de soucis, on est bien. Non, non, non. Je veux pas salir ma tenue aujourd'hui, ça ira. Première sortie avec. Hein? Elle est bien jolie, on va pas la dégueulasser. Et les enduristes, est-ce que vous roulez l'hiver? Dites-moi si vous roulez l'hiver quand même. Bon, je suis sûr qu'il y en a qui ne roulent pas l'hiver, mais qui vont me dire « Ah, moi je roule l'hiver !» Juste pour faire style. C'est un vrai de vrai, il a peur de rien. Non, franchement, moi je roule l'hiver, même sous la neige, sous la pluie. De toute façon, vous avez vu des vidéos où bah, je suis sous la pluie, je suis sous la neige. Bah, des vidéos, j'en fais aussi quand il fait beau. Hein. C'est bien aussi. Ça change. Mais c'est vrai que... On a la chance d'avoir des saisons qui sont quand même ben, assez bien délimitées, donc ça nous... On n'a jamais le même terrain, quoi, au fur et à mesure des saisons. En hiver, c'est gras, 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 gras. Il y a de la neige, des fois, du verglas. Le verglas, faut faire gaffe, quand même. Après au printemps, bah, je trouve que c'est peut-être le meilleur moment de l'année, il fait ni trop chaud, ni trop froid. En hiver, je l'avoue, on se l'écaille un peu, on sent plus nos mains, on sent plus rien, les jambes elles sont trempées, Léo il est trempé. Enfin bon, c'est un peu la misère, mais bon, ça forge le caractère et puis quand on aime l'enduro, eh ben on roule. Hein? Après il y a des crossmen qui voudraient bien rouler aussi, tout ça, d'autres gens. Mais malheureusement en cross je crois qu'il y a beaucoup de terrains qui sont fermés, il y a des sables je crois, enfin des terrains en sable qui sont ouverts, mais bon. Ça reste pas non plus le terrain en terre de cross quoi. Donc le printemps, il fait bon. Ouah, un lièvre. Oh. Hey, aujourd'hui c'est la fête hein. Oui, je suis assis, c'est normal. Après l'été,
Alors là c'est sec comme il faut. Après je compte bien sûr pas les jours de pluie et tout ça. Mais globalement c'est sec comme il faut. Donc ça glisse un petit peu aussi. Mais par contre, le truc qui est vraiment dérangeant, c'est quand il fait 40 degrés et que tu pars rouler avec ton équipement. Bah là t'as envie de te dire, bon bah je vais faire une petite sortie d'enduro sur l'autoroute, il y aura un peu de vent, ce sera pas mal. Non, en vrai c'est vraiment super super dur. Déjà que physiquement l'enduro bah on va dire allez bah allez 20 minutes ça va. Mais bon 3, 4, 5, 6, 7, 8, non peut-être pas 8, mais déjà 3 bonnes heures d'enduro, de bonnes heures. Quand il fait frais, ça baille parce que bah, il fait glissant. En printemps c'est le top. En été, déjà tu fais une heure ton casque, t'as l'impression que t'as sauté dans la piscine avec. Tes équipements bah, pareil, mais le truc c'est qu'après en rentrant ça sent pas très bon. Je pense que vous vous reconnaîtrez là-dedans. Après l'automne, et ben bon allez, on va prendre le petit chemin goudronné. C'est un chemin goudronné. Attention. L'automne, et ben c'est mouillé. Il y a des feuilles. Alors d'une part, c'est glissant. Par-dessus, t'as les feuilles. Donc tu ne vois absolument rien. Du coup, t'as une chance sur deux. Encore la buse, je l'ai vu tout à l'heure. T'as une chance sur deux de tomber parce que tu vois pas où tu roules et que t'arrives sur un caillou qui glisse. Un endroit où il y a de la boue, des racines. Donc ça c'est aussi un peu la galère. Par contre tu transpires pas trop là. C'est plus comme en hiver où tu gèles, voire où t'es trempé. Voilà. Voilà un petit peu le topo des 4 saisons quand tu fais un peu d'enduro, tout ça. Puis après aussi ce qui est un peu pénible, c'est des fois t'as un peu de boue sur toi. Pour pas dire t'es recouvert et que tu vois plus rien. Que tes yeux ils pleurent de la boue quand tu rentres chez toi. Ça m'est arrivé. Et je pense que ça a dû arriver à plein de gens aussi, hein, qu'on se mette d'accord. Mais pur aimé. Franchement, j'ai qu'une chose à dire. Oh, que des souvenirs de fou. Les galères, les trucs comme ça, quand il fait 30 000 degrés là, voilà. Ça je m'en souviendrai tout le temps. Mais tu peux rester là, je serais passé à côté. Salut! Salut! C'est celui-là avec le casque. Geoffrey, le fils d'Hélène. Ah ouais. Ah d'accord, ok, putain. Mais fallait pas bouger, hein, je serais passé par là à côté. Ah, mais moi je vais monter l'autre. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. En moto? Ouais, un petit peu. Je filme. Je filme, je filme. Avec le bain, il m'a dit, mets les films sur machin, je sais pas quoi. Ouais, bah je suis en train. Tu passeras peut-être dessus, je te flouterai de toute façon. T'inquiète pas. D'accord. Bon bah bonne journée hein. Allez, à plus, ouais, salut. Et ben voilà, le neveu à la tante à ma mère. Voilà. Donc petite dédicace à son fils qui s'appelle Clément, qui regarde mes vidéos, que je connais super bien. Donc petite dédicace à lui, tiens. Il veut aussi faire de la moto. Et écoutez, bah je lui souhaite. Voilà, voilà. Je sais pas trop où vous emmener, à vrai dire. Juste vous parler un petit peu comme ça. Je suis content, voilà. C'est tout bête. Mais. On va passer par là, à droite. Oh, le type avec sa camionnette, il a fait 50 mètres. Le pauvre. Ça me fait trop de la peine. Ça me fait bizarre parce que j'ai l'impression que j'ai rien. Putain, mais. Enfin, je sais pas, des fois je fais. Oh, ah bah non, c'est bon, j'ai le pantalon. Il doit être léger, je sais pas. Je valide ce que j'ai dit. Faut avoir un pilotage fluide en enduro parce que si t'es droit, et ben disons que ta moto ben, elle bouge un peu.
Enfin, tu la sens bouger. Parce qu'on n'amortit pas avec son corps. Un chat, on fera tous les animaux. Les animaux de la ferme plus les animaux de compagnie. Yeah! Et aussi les animaux sauvages. Retrouvez bientôt les animaux exotiques. La bécane, mon gars, une remorque derrière et c'est parti. Une remorque derrière, c'est parti. Tu fais le tour du monde avec la moto. Je vais aller doucement parce que si le monsieur qui a la dodoche il est derrière, non, ça va, c'est bon. Ouais, c'est bon, les malins. Ouais. Wow. Vous avez pas vu en fait parce que ça atterrit vraiment super bien. Mais ça fait une petite marge, genre en fait je dois sauter, je dois descendre de 1 mètre, 2 mètres, un truc comme ça. Ouais. En fait je dois sauter là et je ratterris là. Donc ouais, ça fait un 1 mètre et demi, 2 mètres. Un peu moins. Hein. Je pense entre les deux, peut-être à peine moins, mais je pense pas. Et vu que bah, j'ai le vertige, ça me fait. Oh. Ça fait bizarre.